J'essaie de faire au plus vite, mais j'avais pas mal de jeux quand même, surtout qu'on a dépouillé. On a quand même fait un gros vide, ça fait du bien. J'en ai encore à vider, donc je referai. Je pense peut-être un petit peu demain, tiens, pourquoi pas refaire un petit peu de vide demain. Histoire de vraiment, vraiment, vraiment faire de la place. Allez, non, on va pas faire une nouvelle partie, hein. On l'a déjà fait ce coup-là. Hein. Faut pas abuser. Bon, là, je viens de faire le montage des vidéos. Ah, j'ai oublié un truc. J'ai fait le montage des vidéos, j'ai pas supprimé la vidéo. C'est ça. Si, si. Bon, ça va. Je crois que j'avais pas supprimé la vidéo hors montage. Comme là en plus il y avait des demandes de mots de passe et trucs comme ça, j'aime bien supprimer quand c'est comme ça. Voilà. Donc c'est bon. Et j'ai tout transféré déjà sur YouTube. Donc vous pouvez déjà les retrouver sur YouTube si. Voilà. Donc je me donne jusqu'à 18h30, comme j'avais dit, pour jouer à Abduction. À 18h30, je pars rejoindre les minis et parrain marraine pour du Fortnite, pour l'événement, le concert d'Adriana Grande. Voilà, donc on aura passé une grosse après-midi ensemble. Je reviens, 2 secondes. Hey, coucou ma reine! Désolée, j'étais partie faire le réapprovisionnement vu que j'ai des idées de faire marcher mon cerveau. Il lui faut des forces. J'espère que tu vas bien, ma reine. Normalement, on avait vu avec parrain pour ce soir. Je sais pas s'il te l'a dit, mais que. Bah écoute, ça va bien, moi? Et toi? Ça va bien, ça va bien. Je fais un gros après-midi live. J'essaye de vider des jeux. Et puis là, surtout, j'ai décidé de faire une pause pour rattaquer Obduction. Pourquoi doucement, ma reine? Alors, on a été où dans Obduction? Ouais, on est toujours ici qu'on est bloqué. Alors, surtout, est-ce qu'il faut pas vraiment que je parte dans l'autre monde en fait? Parce qu'on m'y a envoyé en fait. Si on m'y a envoyé, c'est qu'il y a une logique dans le truc, non? Ou ils sont comme moi, ils sont illogiques. Et après, ils se disent, oh ben mince. Ouais, tu m'expliques en MP, il n'y a pas de souci, ma belle. Mais autrement, parrain, il t'a expliqué ouais, qu'on pensait faire ce soir, donc sur coup, à 22h pour vous, le live d'Adriana Grande avec Zabou. Est-ce que vous êtes toujours partant ou est-ce que c'est un peu chaud pour toi? Ce que je comprendrai, hein, t'inquiète pas.
Bon, surtout, c'est pas le tout de me ramener des trucs à grignoter parce que j'ai faim, mais si je pars à jouer et que je grignote pas, on va pas y arriver, hein. Surtout, je vais partir dans l'autre monde, voir si j'ai réussi à changer quelque chose. Je ne sais pas si j'ai réussi à changer quelque chose. Essayer d'aller dans l'autre monde. Salut, je sais que là-bas je peux pas passer, donc c'est pas la peine d'y aller. Donc je vais passer là. Hop. On va passer par là. Donc, nous allons passer par là. Mais vas-y, passe! Tu peux quand même faire un grand écart pour atteindre la rampe. Sérieux? T'es pas très docile. Je vais partir dans l'autre monde. Alors, le téléporteur, il est. Mais t'as prévu un Discord pour ACNH, donc je peux pas, je regarderai. Ok, mais parrain sur coup, il vient ou pas alors? En replay sur ta chaîne, mais déjà j'ai eu le. Déjà j'ai fait le. J'ai déjà fait hier soir en fait l'événement déjà. Donc parrain m'avait rejoint un peu sur la fin de l'événement. Il avait vu quelques trucs parce que vous étiez endormis. Donc oui, bien sûr qu'elle sera sur ma chaîne, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux. Oui, lui, il vient. Super. Zabou sera content d'avoir parrain pour faire l'événement avec lui. Et moi, bien sûr. Mais oui, que ce soit YouTube ou sur Twitch, tu as les vidéos et j'ai déjà fait celle d'hier, donc. Là, aujourd'hui, YouTube, il va sonner dans tous les sens. Tu dormais qu'un œil. Ah, le mieux, c'est de dormir des deux. Tu dors mieux. Là, déjà, je viens de balancer 5 vidéos sur YouTube. Les 5 essais de jeu qu'on vient de faire. C'était pas par là. C'était pas par là qu'il fallait que j'aille. Oh, blablabla. Il me semble pas que c'était par là qu'il fallait que j'aille. Lol, ben 5 secondes et je dormais. Mais fallait faire dodo. Faut savoir se reposer dans la vie. Non, là-bas, je peux toujours pas y accéder. C'est ça qui est ballot, c'est que j'ai réussi à désactiver les deux faisceaux rouges. Je peux me téléporter, tout. Ah, ça, je sais ce que c'est, un torticolis, crois-moi. J'en ai eu un il y a quelques semaines et encore, je sens bien que il n'est pas complètement réparé. Et crois-moi bien que tu le sens quand il s'active. Bon, voilà, bah, c'est porté, on va en profiter pour grignoter. Ah, moi j'en ai assez souvent avec les soucis avec mon dos depuis l'accident. J'en ai assez souvent. C'est soit des crises en bas du dos, soit vraiment un torticolis en haut et qui coince aussi les omoplates.
Alors voilà, c'était bien là que je voulais aller. Salutations, Slayer Dragonix. Comment vas-tu? J'adore ce jeu. Moi aussi, j'adore ce jeu. Mais alors, franchement, il me casse la tête. c'était quoi, fais-je face ici? Non, moi aussi j'adore ce jeu, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai recommencé à zéro après qu'il m'ait coincé, littéralement coincé, complètement coincé. Autrement je pense que si j'avais pas aimé ce jeu, sincèrement quand il m'a coincé, j'aurais dit eh, écoute, hein, débrouille-toi. Donc je persévère, je vais atteindre le bout. Apparemment on m'a dit, alors je sais pas si t'as été jusqu'au bout du jeu. On m'a dit il y a deux fins, il y a une mauvaise fin et une bonne fin. Donc j'espère réaliser la bonne fin. J'imagine que la bonne fin, c'est... trop... Non, tu l'as jamais fini. Tu me donnes pas d'espoir, là. Déjà, dans ce style de jeu, j'ai fait aussi Spectrum Retreat. Et c'est pareil, il y a deux fins. Et sur coup, j'ai fait une fin, mais je ne sais pas si c'était la bonne, la mauvaise ou quoi. C'est vrai que c'est dommage de devoir recommencer le jeu, parce que Red React ne proposait pas d'essayer une autre solution. Donc tu étais obligé de recommencer le jeu pour voir si tu trouvais la bonne. Moi, je retourne sur mon jeu, lol, mais je t'écoute encore 30 minutes. D'accord, tu m'accordes 30 minutes de tes oreilles. D'accord, bah écoute, je suis preneuse. Je suis pas très difficile, hein. T'es sur quel jeu, là, ma reine? Portia ou... t'es sur un autre? Ah, t'es sur ton fameux Animal Crossing? Ok. Tu es accro? Oui, tu es tellement accro que tu m'as demandé de te rejoindre. Donc je te confirme. Salut Sabou, expédition toilette. Non. Non. Ah, tu vas avoir la personne Madame Toilette. Non. Non. mais Jésus, mais il était pas là le deuxième téléport? Me sens sale, lol. Ah oui, mais écoute, Animal Crossing, si tu me l'offres, ok. Si tu me l'offres pas, voilà quoi. Ici, non, mais de toute façon, ici, j'ai pas la nacelle. Donc, ça sert à rien de monter là-haut. Sans la nacelle, je suis coincée. Qu'est-ce que j'aimerais aller de l'autre côté là-bas, voir ce qu'il y a. Mais je ne peux pas. Slayer Dragonix, t'es arrivé plus loin encore dans le jeu ou t'es... Demande à tes followers. Non, ça va, laisse mes followers tranquille. Oh. Et puis sans vouloir... Non, au tout début, d'accord. Alors écoute, si des fois t'es coincé et que je peux t'aider, n'hésite surtout pas. Si ma mémoire de poisson rouge n'est pas encore trop activée, je peux réussir à retrouver des trucs qui peuvent te débloquer. Et donc, ma reine, pour en revenir, tu demandes à tes followers, mais il me semble que toi et Parrain, vous en faites partie en fait.
Donc au final, tu pourrais me l'offrir. Alors, tout, 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 tout. Sur quoi t'es dans le premier monde de Slayer Dragonix? T'as réussi à hydrater l'arbre ou pas encore? Non. Donc t'es vraiment au tout début. Mais il est très bien, hein. Il est casse-tête, mais il est très bien. Hein. Mais je te garantis, le premier monde, déjà, je me disais, il est casse-tête, mais alors celui-là, c'est même plus des casse-têtes. Qui? On s'appelle Paramarraine, pas Follow. Tricheuse. Salut Elina. Mais si tu veux, Paramarraine, vous pouvez l'offrir à votre filleule et moi je jouerai avec aussi. Ça peut marcher, ça. Hein. Non, ici, ça me ramène dans la pièce. Non, dans la pièce. Donc ça, je veux pas. Ça se veut pas. Et mais à force de pas vouloir aller nulle part, je vais pas réussir à bouger, moi. Hein. En plus, je crois que le dernier live, j'ai déjà passé 1 heure à tourner en rond, je crois. En fait, je vais le rebaptiser ce jeu. Je vais l'appeler Je tourne en rond. Et elle se coince parce qu'elle ne sait pas sauter. Ou ne serait-ce que plier les genoux. Eldragonis, ça va tout spoiler. Non, je ne spoilerai rien du tout. Qu'il ne s'inquiète pas, je ne suis pas comme ça. Et j'ai tellement galéré en fait que je vais le laisser galérer un petit peu avant de lui donner une réponse. Mais non, mais on rigole. Hein. Mais non, non, t'inquiète, si t'as besoin, je t'aiderai dans la mesure où ma mémoire est assez souvent un peu déficiente. Donc, s'il y a des trucs que je me rappelle et où t'es coincé et que tu galères et que tu commences à désespérer, n'hésite pas à me faire signe et je te dirai. C'est quoi qui te fait marrer? Ma mémoire déficiente? C'est ça? Ma reine. Va falloir s'arrêter, ça. Hein. On se moque pas des gens. Je n'y ai pas encore joué. En ce moment, je joue à un autre point and click. Il s'appelle Call of the Sea. Ah, je sais pas si je l'ai. Non, j'ai pas dû essayer celui-là encore. Doris? C'est qui Doris? Ah, t'es quasiment à la fin du jeu. Bien. Après, si t'as jamais fait, t'as aussi Spectrum Retreat qui est assez bien. Moi, sincèrement, je l'ai fait, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment le fait de devoir recommencer à zéro pour refaire l'autre fin qui m'a vraiment. Ils sont aussi durs qu'Obduction. D'accord. Alors, déjà que je vais mettre 10 ans pour finir Obduction, bah dans 20 ans, on se retrouve pour celui-là. Je veux bien le thé, hein, ma reine. Hein. Thé ou café, comme tu veux. Enfin, pas café, pasteur là. Une infusion plutôt. Pas oublier que je suis une petite mamie qui a besoin de dormir. Non, mais par contre, sérieux. Ils l'ont bouffé, mon téléport, ou comment ça se passe?
Ah ben oui, Elena, tu te pointes à 18h pour réclamer la pizza de ce midi. Mais Elena, je t'attendais, hein. Heureusement que nous, on l'a mangée hier soir au final, hein, parce qu'autrement, autant te dire que elle aurait été froide. Boum, 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 boum. Bon, mais sur quoi on va refoncer là-dedans? Je vais pas y arriver, hein. Je sais que j'ai un téléport qui m'emmène dans l'autre monde, mais au niveau de la porte. Mais je sais, mais je suis. Mais je suis. Mais. Un front. Je jure, il y a des fois, je me taperai moi-même. Andouille, tu réplandouille et re-andouille. Il est de l'autre côté, dans l'autre monde. C'est pas dans ce monde-là qu'il est, le téléport, maintenant. Oh, c'est pas vrai. Je vous jure, quand la mémoire de poisson rouge a fait défaut, hein. C'est pas grave, ça ne sera pour une autre fois. Bah écoute, Elina, il n'y a pas de souci. Le jour où tu prends l'avion, je te réceptionne avec même 10 pizzas, si tu veux. Moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi ces créatures. Sérieux. Elle n'est pas énorme. Il y a des morceaux d'os partout. Bon, par contre, Elina, on n'ira pas au distributeur de pizza. Hein. Tu mérites quand même mieux, hein, parce que le distributeur de pizza, autant te dire, on a essayé, on le refera pas. Les pizzas sont assez chères pour pas grand-chose sur la pizza, hein, donc. Ah ben. Je peux me jeter dans le vide, je peux me suicider. J'en ai marre de tourner en rond. Oh, ah ben, bah, carrément mieux. Promis, je lui prévois les ingrédients et il nous fait ça. Bon, ça va finir par faire cher la pizza là aussi, hein, parce que sincèrement, s'il faut lui payer le billet d'avion en plus les ingrédients, c'est plus de la pizza là qu'il faut, c'est du caviar. Avec lui, c'est gratuit, t'inquiète. Bon, ça va alors. On acceptera alors. Qu'est-ce que. Ça m'embête en fait d'aller dans l'autre monde parce que je suis sûre qu'en fin de compte, c'est pas du tout ce que. C'est pas du tout ça. Chaque monde est relié, oui. Mais chaque monde est différent. Si je repars dans l'autre monde, je vais rien trouver. Je vais devoir revenir ici. Et je vais retourner en rond pendant 3 heures. Et au bout de 3 heures, je dirais, ah, mais attends, peut-être que si j'avais fait ça. Oh, mais t'inquiète, Elina, hein, tu peux aller faire un truc et revenir. Hein, je serai pas très loin. Je serai pas très loin. Oh, purée, mais cette porte est toujours verrouillée. Déverrouillez-la moi. J'ai aucune porte dans l'autre monde à déverrouiller. Excusez-moi, je m'ouvre une petite madeleine histoire de prendre des forces pour mieux réfléchir. En plus, je suis sûre que cette porte, c'est celle qui me permet d'aller hydrater cet arbre.
Elle est là, mon arme. Elle est là, la cavité pour l'hydrater. Mais il veut pas me laisser y aller. Là, attendez. Là, sur le côté, j'ai l'impression qu'il y a un passage là. Une espèce de cavité ici, non? C'est moi qui débloque. Non, c'est moi qui débloque, ok. Par contre, ici, il y a un passage, mais c'est bouché par la grande machine. Et ici, vu qu'elle ne sait pas monter, qu'elle ne sait pas grimper, ni essayer de sauter un tout petit peu, on peut pas monter. J'ai essayé, hein. Donc, donc je peux le dire. Donc, on va être dans notre monde, hein. Bah, Slayer Dragonite, si t'es encore là. Là, je vais retourner justement dans le monde où tu es, toi, dans le monde Qatar. Mais te fie pas à mon monde Qatar par rapport au tien. Il y a beaucoup de changements. Vu que moi, j'ai beaucoup avancé. Qu'il faut que tu saches en fait que tu as 4 arbres à réhydrater. Chaque ville a son arbre. Donc, enfin, 4 villes. Chaque monde a son arbre. Et à chaque fois que tu fais soit les téléports, tu débloques des téléports ou des trucs comme ça, tu transformes le paysage des autres. Tu as essayé avec un ami le mode coop pour Skyrim Special Edition. Ça fonctionne très bien malgré quelques bugs. D'accord. J'ai pas joué à Skyrim encore. En vrai, j'essaie vraiment de focaliser ma chaîne sur les jeux gratuits que Epic Games et Prime Gaming me donnent. Après, si je vois vraiment que à force on n'a plus de jeux ou qu'on finit tout en trop vite, je partirais peut-être chercher d'autres jeux gratuits, quoi. Mais pour l'instant, avec ça. Ouais, toi aussi, tu étais chez Prime Gaming. Alors, t'as beaucoup de jeux sur ma chaîne qui sont de Prime Gaming, hein. Donc, tu peux, s'il y a des jeux qui te plaisent, tu peux les retrouver, hein. Mais par contre, essaie de faire comme moi en fait. S'il y a des jeux qui te plaisent, essaie de les prendre dès qu'ils sont gratuits. Parce que il y a quelqu'un qui a vu un jeu sur ma chaîne, que ce soit chez Epic Games, je crois que ça s'est passé. Quelqu'un a vu un jeu sur ma chaîne, m'a dit ah c'est trop bien, je veux l'essayer. Et il me dit mais par contre il est payant. Je dis bah non, moi je l'ai eu gratuit. Mais en fin de compte, quand il nous l'offre, Epic Games c'est toutes les semaines, quand il nous l'offre, il est gratuit, mais une semaine. Donc si tu l'as pas téléchargé dans la semaine, bah, tu le perds en fait, tu le retrouves qu'en payant. Et Amazon Prime, Prime Gaming, je sais pas s'ils font pareil ou pas. Parce que c'est vrai que sur le coup j'ai pris le réflexe, moi dès qu'on me donne les jeux, je télécharge tout. Et après je me fais des grosses sessions d'essai comme ce tantôt là qu'on a passé. Non, c'est pas gratuit une semaine et après ça devient payant. Parce que tu vois, bah, Obduction, c'est Epic Games qui l'a donné. J'ai jamais payé, hein. Et pourtant, ça fait 2 semaines déjà que je suis en train de jouer dessus. Hein. C'est que vraiment, la semaine où il le donne gratuit, tu peux le récupérer. Par contre, si tu reviens la semaine d'après, que tu le dis, bah, tiens, en fin de compte, je vais prendre celui-là, bah, là, il sera redevenu payant. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que... Pour Twitch Prime...
Tant que tu as un abonnement Prime chez Amazon. Oui. Twitch Prime ou Prime Gaming, c'est pareil. Hein. C'est à partir du moment où tu as ton abonnement Amazon, tu y as accès. Après, je sais pas si tu les as pas téléchargés au moment où ils te les proposent, s'ils font pas pareil que Epic Games en fait. Mais après ça, je sais pas, j'ai pas étudié la question. Non, je l'avais fait ça et en fin de compte, ça m'avait pas aidé. Donc, je vais pas faire ça. Non, tu les gardes à vie. D'accord, ok. Bah, tu vois, tu m'as appris pas grand-chose. Pourquoi tu veux pas y aller? Ah oui, tu vas aller dans l'autre sens? Ok, excuse-moi. Pourquoi tu me mets le choix si tu veux pas? Voilà. Encore un coup. Parce que là, en gros, tu m'as pas bougé, hein, mon ami. Alors, j'ai plein de jeux gratuits sur Epic Games, plus de 100, et sur Prime Gaming. Ouais, non, mais c'est ça va très très vite, hein, parce que Prime Gaming, je crois que tous les mois, ils doivent t'en offrir 6 à 8, je crois. Epic Games, ils t'en offrent 1, 2, 3, à peu près 3 par semaine. Donc, ça va super vite, hein. Après, c'est pas des jeux que, obligatoirement, tu aimes jouer ou que tu veux jouer, hein. Mais déjà, ça fait un sacré... Boum, 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 boum. Ah, mais moi je suis une madeleine. Pourquoi je profite pas de la téléportation pour la manger? Wow. T'attends de tout jouer? Ah, tu m'étonnes que t'as pas le temps. Moi déjà j'essaie de faire une sélection déjà pour... Enfin une sélection. Quand je dis sélection, je m'entends. C'est je teste les jeux en live. Comme ça, vous voyez tous les jeux qu'il y a. Et moi je dis clairement si oui ou non je les garde pour... les refaire en live sur ma chaîne. Voilà. On y est. Alors, on y est, on y est, on y est. L'autre, il est par là-bas. L'autre, il est par là-bas. Mais voilà, moi, je sélectionne vraiment les jeux que moi, j'ai envie de jouer. Mais je vous fais quand même des lives de façon à ce que vous voyez ce que donnent les jeux. Parce que vous, il peut y avoir des jeux que vous aimez, que moi, je vais pas aimer. Et que sur coup, ça serait dommage que vous passiez à côté du jeu juste parce que moi, j'aime pas. Ou voilà. Oui, Mimi, toi aussi, tu veux parler des jeux? Oh, il me reste 20 minutes, enfin même pas 19 minutes de jeu avant de devoir les rejoindre les mini-pousses. Les mini-pousses, je vais finir par les appeler comme ça leur va bien. Sur du Fortnite. C'est qui que t'appelles maman sur Fortnite? Je t'entends jusque là. Ah, c'est Ninja Boy qui est ta maman? Ah, bah zut!
Hop, 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 hop. Alors, on va passer par là. On va passer par là. Je sais plus. Je sais plus. Ah si, 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 c'est bon, j'ai mis je crois. Je me retrouve. Quand je vous dis que j'ai une mémoire de poisson rouge, hein, c'est vraiment hein, le cas. Hein. En 2 secondes, je peux réussir à me paumer, moi. Et surtout dans Objection, où c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de promenades. Pour pas grand-chose, mais beaucoup de promenades. Donc, on va passer par là. Je vous jure, si le personnage était payé au nombre de pas qu'il fait, il est milliardaire à la fin du jeu. Hein. Moi, je vous le garantis. Hein. Donc toi, quand tu auras débloqué Slayer Dragonic, tu auras le téléport ici. Moi, maintenant, il est parti se promener. Je sais même pas si celui-là il fonctionne encore, en fait. Moi, tiens, on va voir. Est-ce que son paysage a changé? Est-ce qu'il fonctionne encore? Je sais plus. Ah, apparemment, il fonctionne encore. Ou alors il va m'envoyer dans l'espace. Dans l'espace. T'as pris le mauvais téléport, dégage! Hop, donc nous sommes là. Et donc la porte est là-bas. Si je crois. Si, c'est ça. Elle est par là. Mais ce qu'il y a, c'est que dans ce monde-là, sincèrement, je vois pas ce que je peux faire. Oui? Oui, mais non, ils ont rien ramené. T'inquiète pas, je les ai vus avant qu'ils passent. Donc l'arbre il est là. Ça c'est l'arbre. Mais je peux pas passer le pont. Oui, on sait, mais ton moyen de pont là il est pété. Je suis où moi? Ça serait bien de me dire où je suis en fait. URR. Donc ça serait ça, je serais là. Je suis censée prendre le plan comment, moi, j'en sais rien, moi. Bon, ici, le pont, il est pété. Ta solution pour se barrer, écoute, elle est plus qu'obsolète, hein. Ah, par contre, là-bas, j'ai un robot. Donc là-bas, je pourrais peut-être réparer le pont ici. Ok. Et moi, ici, j'ai toujours fait 15. Mais en fait, j'ai peut-être pas plus besoin de faire 15. Parce que 15, à la base, c'était pour avoir le labyrinthe. Faut arrêter avec 40, t'as trop de chemin là, franchement. La force, je sais plus où aller. On va passer par là. Je suis allée là ou pas, moi? Je sais même plus. Ah, mais ici, je pourrais avoir accès au pont. Je vais essayer d'aller par ici, voir si après ce pont-là, j'ai un passage pour y aller. Je suis de retour, ma copine. Coucou, ma copine. Tu as réussi à faire ce que tu voulais faire. T'as vu, j'ai pas beaucoup avancé, hein. T'as vu, j'ai pas fini le jeu, hein. Tu pouvais même partir encore longtemps, hein. Tu as été trop rapide. Ah oui, non, mais ça m'emmène pas au pont, ça. Ça m'emmène dans le vaisseau. Mais dans le vaisseau, j'ai plus rien à faire. J'ai désactivé le faisceau rouge.
coucou, 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 pou, 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 c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, mais ça m'aide pas du tout. Donc vous voyez, les mondes changent vraiment de l'un à l'autre. Hein. Qatar, on est vraiment dans le désert rocheux. Après, alors l'autre monde, je sais pas c'est lequel. Pour moi, j'avais l'impression que c'était celui de... J'ai perdu les noms, comme ça c'est fait. Et puis bah, celui-là, c'est encore un autre monde et qui est différent encore. Et vu que je perds tous mes mots aujourd'hui, ça va être compliqué. Oui, je sais, la situation désespérée. Oui, mais c'est ce que j'essaie de faire. Oui, ben... Tu peux préciser vite, hein. Si tu me donnes pas la solution pour te débloquer, mon gars, je suis pas Einstein, hein. Non, ici, j'ai rien à faire, ici. Alors, dans le monde Qatar, t'as déjà le mec dans sa cellule, là, qui fait que de te passer un savon, mais qui t'indique jamais rien. Et je te précise que dans les autres mondes, c'est pareil. Ils te passent un savon, mais ils te disent jamais rien. Donc, débrouille-toi. Quoi, moi? Je suis censée faire quoi, moi? Allez, sur l'autre là-bas. L'autre là-bas, j'y étais. Je crois qu'il y a les robots pour faire les passerelles, mais les passerelles, elles sont pas complètes. Donc, je pense qu'il doit y avoir encore un truc à faire. De toute façon, c'est un peu le principe de ce jeu. Me faire tourner bourrique à faire plein de trucs. Ah, c'était pas le même chemin. Attends. C'est pas le même chemin d'un côté et de l'autre. Où ils se rejoignent. Ils se rejoignent, bourrique. C'est les mêmes. Cralalalalère. Bon, ben, je vais essayer celui d'en face, alors. Ouais, t'entends bébé Tigrou derrière parce qu'il arrête pas de brailler après ton frère. N'est-ce pas? Elina, elle t'entend sur le live. Hein. Non, non, bébé Tigrou n'a pas une voix qui porte. Jamais. Mais t'as le même à côté. Ah bon? Pourquoi? Ils sont comme ça, nos petits bonhommes? Oh, franchement... Non, quand ils se retrouvent sur Fortnite, c'est calme. C'est paisible. D'ailleurs, dans 10 minutes, il faut que j'aille les rejoindre. Et j'ai pas avancé, en fait. J'ai pas avancé du tout. J'ai rien fichu. Ça m'emmène où, ça? Je kiffe les Switch. Si je savais quoi, dis-moi. Dis-moi, dis-moi, si je savais quoi. Que la vie est longue à marcher sur les plates-bandes de ce vaisseau. qu'ils ne sont pas calmes quand ils jouent, mais franchement, ils sont tout ce qu'il y a de plus calme. Hein. J'ai fait demi-tour ou quoi? Non, c'est encore un autre? Et vous comptez me switcher combien de fois là? Chouf. Merci pour le switch.
Mais tu m'as emmené où, Switchy? Switchy, switcho, switcha. Et on va switcher? Ouais, mais je peux toujours pas passer là. Je peux toujours pas passer là. Oh purée, en plus j'ai une pierre de téléportation là-bas. Sérieux? Si j'essaye un autre code. Attends, on va essayer autre chose. J'avais fait le 15. T'es où? Ah bah t'es là. Excuse-moi, robot, je te voyais plus. Ah, mais je sais que quand je te fais le 15, tu me fais ça, mais ça c'est le schéma du labyrinthe, je suis d'accord. Donc en fait, je suis fichu, c'est ça que tu es en train de me dire? Que je peux plus rien te faire? Je vais faire quand même, regarde, je toque! Qu'est-ce que t'en penses? Pardon. Attends. J'essaie de te faire notre passage. Ça fait quoi? Presque. Il manque celui du milieu là. C'est lui là. Ça fait plus un 15, hein, mais bon, on va faire avec. Ah, bah non, c'était pas ça. On annule! Donc ça, il était d'accord. Ouais, ça, il était d'accord. Ça? Ta la li ta la la ta li 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 la la li la 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 la. Pourquoi je change de chanson? Ah ouais, d'accord, super. On va faire. Trou trou, ça sera toi qui m'emmènera. C'est lui. Ça, tu sens la joueuse désespérée, tu sais. J'en ai marre de réfléchir. Au bout d'un moment, faut faire au pifoumètre. Dis, Elina, que t'aurais pas fait pareil. On te propose deux téléportations, tu sais pas où elles vont. Tu fais quoi? Et là, il me ramène à la case départ. Tu sais, le coup, là, il me ramène à la case départ. Bon, ben, j'ai créé un nouveau téléport ici. Ok? Ok? Bah écoute, mon gars, je suis contente de t'avoir ramené là. Hein. C'est sympathique, mais tu me sers à rien. Ah, est-ce que j'aurais besoin du train? Non, parce que le rail il passe là et je peux pas. Faut que j'active le téléport ici. Parce que j'étais déjà bloquée avec ça, parce qu'il fallait que je téléporte le train dans un autre. Bon bah, hé, on va se faire le deuxième, hein. Comme ça on verra bien où il emmène. Mais je sais pas pourquoi je l'avais senti ça, qu'il allait me ramener à la case départ, tu sais. Je sais pas pourquoi, hein. Apparemment, pifomètre, ça marchait pas top. Allez, montre-nous le chemin vers là. Vers là. Bon,
Et c'était là que le deuxième avait disparu, tu sais. Au moment où je reviens pour faire le deuxième, ah oh, bah salut, tu m'as pas choisi, je me casse. Wow. On se calme niveau téléportation là, s'il vous plaît. On peut se la jouer sympa, parce que là, ça fait peur. Bon, on réessaye. Alors, on atterrit où? À toi, Elena, de faire tes pronostics. Je sais pas, ça c'est du pronostic, ça. Ça, je suis d'accord avec toi, c'est du pronostic. C'est du pronostic très utile. Le je sais pas et le... Ah ouais, d'accord. En fait, t'emmenais les deux se foutent là, quoi. Ok. Tu perds? Tu l'éclates? C'est cool, les gars. Vous êtes contents? Vous avez ramené votre sphère dans la décharge. Vous êtes contents? C'est trop chouette. Vous avez une vie, franchement, qui est assez épatante, hein. Bon, voilà. Voilà. C'était pas du tout ce que je pensais faire, mais voilà. On l'a fait. Bon, bah, on va reprendre le téléportation là-bas. Non, parce que là-bas, ça va ramener au monde Qatar. Est-ce que réellement. Non, je vais essayer d'avancer ce monde-là, qui apparemment a l'air de vouloir me transformer toute. Attends, c'est moi ou c'est. Mais. T'es redevenu comme ça, toi, maintenant? Comment ça se fait que t'es comme ça, toi, maintenant? T'avais un téléport dedans, t'étais tout en bois. Et là, t'es redevenu en pierre. C'est vous, là, qui l'avez empierré? Bon, j'espère que j'ai pas perdu un bout de partie en cours de route. Bah, allez, on repart avec toi. Je vois franchement pas le truc de mettre deux téléports au même endroit, mais bon, on n'est pas. Je crois que les créateurs du jeu, ils ont dit, ouais, elle aime bien se téléporter et créer des nouveaux trucs, alors on va s'amuser, on va lui en mettre. Je vais faire de l'autre côté parce que de l'autre côté, par contre, il y a le même problème. Il y a le robot avec qui j'avais fait le chiffre 15 aussi et qui m'avait pas fait toute la plateforme. Donc je vais faire de l'autre côté. Il doit y avoir encore peut-être 6 téléports sur ce coup-là. Il a ramené des bouts de la décharge, quoi. Super, il a ramené des bouts de la décharge. Il s'est dit, tiens, bah écoute, ça ressemble bien, c'est sympa, on va emmener les tonneaux. Oh, il a l'air d'avoir pas mal de courant dans cette flotte, hein. Je sais pas si c'est bon signe, mais ça a l'air quand même d'avoir pas mal de courant. Alors, en bas, apparemment, j'aurai un pont qui rejoint cette sphère-là. Ok, si tu le dis. J'étais en train de dire en bas, il y a un pont qui ramène à cette sphère-là. Je remonte sur le truc. Mais attends, il y a deux boutons. Deux boutons. C'est un ascenseur. Il m'emmène où aussi? Mais non, moi, je voulais le pont là. Oh, mais non, je veux pas redescendre autant. Est-ce que j'ai un autre moyen de passer pour aller au pont là? Ben oui, là, voilà. Aïe 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 aïe, je vous jure.
Oui, là, faut recréer des plateformes. Je vois bien, là, il manque des plateformes. Donc, je vais encore faire mumuse avec les petits robots pour faire des chiffres et des formes et des machins. Oh, c'est space, hein. Salut, toi. Tu fais quoi là? Tu... Non, je peux rien te faire. Ok, bon, bah salut. Ah, tiens! Oh, bah tiens! Elina! Il se multiplie! À l'aide! Alors, on va essayer celui-là. Ah, celui-là, je sais c'est lequel. Donc il me l'a emmené aussi? Mais sérieux? Arrête de m'emmener tous les téléports ici, toi. Parce que celui-là, je sais où il était. Celui-là, c'était celui de la petite, de la chambre souterraine. Mais si c'était celui de la chambre souterraine, ça veut dire que dans la chambre souterraine, il n'y est plus. Donc où est-ce qu'il m'emmène? Je veux dire, ce jeu devient un casse-tête chinois. Hein. Moi, à force, j'en trouve même plus mes mots à force. Mais tu m'as ramené où? Purée, vous pouvez pas fournir les téléporteurs avec un plan? Ah, puis les trois, ils sont là, quoi, la colonie, là. Non, ils ont pété la mine? Non? Les téléporteurs, en revenant, ils ont pété la mine? Non? C'est laquelle celle-là? Je me coince. Me dis pas que c'était la mine de la boîte de nuit. Le seul truc fun. C'est bien, vous l'avez. Alors, on a le droit à une table, un tonneau, un tonneau en fer ou un tonneau en bois. Et bientôt, là, je vais commencer. Vous avez fini votre partie ou pas? Ah bah c'est bien, ils ont fait top 1. Ouais, j'arrive, hein. Ah, ça y est, les mini trolls qui m'appellent. J'ai dit les mini trolls qui m'appellent. Ouais, bah t'en fais partie, hein. Ouais. Bah là, tu joues pas avec moi alors. Tu joues pas avec moi? T'es sûr? Je joue qu'avec Ninja Boy alors. T'es vraiment sûr de ton coup là? Ça m'étonnerait. Donc ce soir, tu fais pas l'événement alors? Ah d'accord. Donc là, il faut que tu manges pour être couché. Hein, Zabou? Faut que je fasse cuire à manger pour que t'ailles te coucher alors sur le coup. Ah bah si, si tu fais pas l'événement, tu vas te coucher à l'heure d'habitude, hein. Non. Alors, lui m'a ramené là. Ok. C'est le même endroit, c'est pas le même endroit. J'avais pas vu ce truc-là, là. Bon, allez, on écrit 15. Et après, je vais rejoindre les trolls avant qu'ils fassent une crise de nerfs. Alors, c'est pour ici? C'est ça, c'est pour ici. Excuse-moi, hein, je fais le tour, je me promène. Je te gêne pas. Hein. Donc on a dit que l'autre, on avait rattaché ici comme ça. Il me manque un bout. On avait dit qu'on faisait la ligne en bas. Ouvre-toi à toi. Arrête de te fermer à chaque fois que je passe.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le faisceau rouge que j'ai grillé du vaisseau là-bas. Ok. Donc ça, c'est cool. Ça m'aide pas particulièrement, mais c'est cool. Ok. Donc ça, c'était juste le faisceau rouge que j'ai grillé. Ok. Par contre, je fais. Est-ce que toi tu tournes ou tu switches ou tu fais quelque chose? Non, tu fais rien, tu me regardes faire quelque chose et toi. Ah si, ça tourne! Wow. On se calme sur les tourniquets par contre, les gars. Hein. Je sais pas pourquoi, tu vois, je sentais que c'était un truc comme ça, tu vois. Alors, on a dit, on fait 15. Ça nous fait faire ça. Paf. On rattache. Attends, c'est là que pour une fois ça a fait toute la piste. Non, t'as pas fait toute la piste. On attache cette ligne-là. Ah, tu veux pas? Ah, si. Et on attache la dernière ligne. Ici, mais pas jusqu'au bout. Ou jusqu'au bout, je sais plus. Pas jusqu'au bout, c'était bien ça. Hop. Je suis en train de mettre un bazar dans tous les mondes, un truc de fou. Hein. Et encore un téléport. Et il m'emmène où celui-là? Allez, on fait celui-là et après je coupe pour aller rejoindre les mini qui m'ont tellement pas attendu qu'ils sont partis en partie. Alors, où est-ce que tu m'emmènes? Ok, dans le monde. Mais pour moi, ce serait le monde Qatar, sincèrement. Mais. Ah, la porte là-bas! Celle qui était verrouillée, que je pouvais jamais ouvrir! C'est toi? Là, t'es toujours verrouillée, hein. Par contre, ça change rien. Hein. Par contre, maintenant, je te vois de l'autre côté. Et encore, je suis même pas sûre que ce soit elle. Si, c'est peut-être bien elle. Alors, et ici, est-ce qu'on peut passer? Non, on peut toujours pas passer. Là-bas, on a nos trois téléports. Ici, on est revenu avec celui-là. Eh bien, on va s'arrêter là pour ce soir. Et on rejouera du téléportation bah, peut-être une fois l'événement fini, 20h30. Oui, je peux refaire un peu de... d'obduction jusqu'à peut-être 22h, 22h30. Et puis voilà, on aura avancé aujourd'hui. On aura surtout fichu le bazar, mais on fait ce qu'on peut. Donc voilà, on va quitter Obduction ici. Tac. Voulez-vous quitter? Oui! Hop, on va arrêter le live. Je vais redémarrer sur du Fortnite. À tout de suite!